Coucou les amis scorpions, c'est votre tour pour le mois de juin 2020. J'ai pré-tiré une carte de l'oracle des astres. Oula, ici on a Mars, c'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre et ça peut être aussi voilà, un litige avec quelqu'un. On se bat contre quelque chose, on se bat pour quelque chose, on se bat pour quelqu'un, on se bat contre quelqu'un. Ça peut être aussi un accident. Donc faites bien attention à vous pour le mois de juin. Mars, la planète de la guerre, ok? La planète de la bataille. Sans cocaille, c'est la bataille. Allez, on y va. Pour les amis scorpions, pour le mois de juin, c'est la guerre. Scorpion, le mois de juin. Je suis là. Oh là là, d'accord. Va pas falloir vous chauffer trop les oreilles à vous les scorpions, hein. Bon, en général, il ne faut pas vous chauffer les oreilles. On ne va pas mentir. Je suis là. Oups, voilà, ça commence. Allons-y. Je ne les ai pas vus, donc je les garde. Par contre, je vois qu'il faut que je passe l'aspirateur. Coucou, maman. ma maman est scorpionne. 1, 2, 3, 4. Et elle aime passer l'aspirateur. moins déjà. 36-15, je raconte ma vie. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Alors, les scorpions, la guerre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah bah déjà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est pas ça. Oh là là, concentre-toi. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Moi, je sens beaucoup de nervosité avec les cartes qui sautent comme ça. Bon, 7. Parfait. Alors, c'est parti. Bon, ici, on réussit à un examen, d'accord? Bon, ça, c'est déjà une très bonne chose pour le mois de juin. On a mis quelque chose en place, on peut même passer un examen et le réussir avec succès, on dépasse la fatalité, d'accord? Ça c'est une très très belle chose, très bien, très bien, l'inverse des réunions, la tranquillité, une fois qu'on a réussi ça, on s'isole un petit peu, d'accord? Le retour, l'hérédité, et on inverse l'échec. Bon, alors, même si c'est la guerre, même si il peut, faites attention hein, aux accidents, on est quand même sur un mois de juin positif, d'accord? Où, alors moi j'avais un peu peur avec cette carte de Mars, mais finalement c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On va aller dans le détail. Alors, peut-être qu'il m'a dit, ils m'ont dit que mars, pardon, juin, c'était la guerre, parce que vous allez peut-être passer un examen, quelque chose comme ça, où vous attendez les résultats d'un examen, donc on se prépare, c'est assez martial, souvent un examen, c'est très codifié et tout ça, et on a du succès à cet examen, on inverse la fatalité, peut-être qu'on n'avait pas confiance en soi au sujet de cette chose à dépasser. Ça peut être aussi un examen médical, bien sûr, ok? Mais on dépasse la fatalité, donc c'est très très bien et on dépasse l'échec, ok? Je suis très très contente pour vous. Il peut s'agir d'un examen médical, c'est vrai, c'est ce qu'ils m'ont rajouté là, et ils ont tout à fait raison. C'est pas que les examens, donc il y a un examen peut-être médical qui va être passé avec succès, d'accord? Donc c'est quelque chose de très sympa. De toute façon, il y a une situation où vous sortez haut la main, d'accord? Que ce soit, peu importe ce que c'est, il y a une situation qui compte pour vous et vous vous en sortez haut la main, ok? La réunion inversée, la tranquillité. Vous allez avoir besoin de prendre un petit peu de... Voilà, de ce que j'entends, c'est laissez-moi tranquille,
J'ai besoin d'air, ok? Il y a une forme de retour. Ça peut être le retour d'un ex, mais ça peut être aussi le retour de... Alors, c'est à côté de l'hérédité inversée, donc c'est quelque chose qui est assez neuf. Si c'est le retour d'un ex, c'est pas un ex du passé d'il y a, tu vois, 1990, tu vois, c'est un ex des derniers mois, des dernières semaines, en fait, d'accord, qui revient. On peut parler aussi de faire un petit retour sur le passé pour vous en tant que scorpion, pardon. Un petit retour sur le passé des dernières semaines, des derniers mois. D'accord? Vous allez avoir peut-être besoin de tranquillité pour vous concentrer sur quelque chose qui s'est passé les dernières semaines et faire un petit retour là-dessus. Vous allez avoir peut-être ressentir le besoin de réfléchir à la situation qui s'est passée il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Pour renverser l'échec, pour trouver une solution peut-être à un problème qui s'est passé il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Et en faisant ce petit retour, si on vous fout la paix, vous allez trouver la solution. D'accord? Je suis là. Tu es là. Et clairement, on peut me parler aussi de guerre intérieure, de conflits intérieurs que vous devez régler et qui vont vous faire évoluer. On a l'évolution avec l'examen. Donc moi, je confirme bien qu'ici, si vous avez passé un examen, qu'il soit professionnel, de l'école ou bien médical, il y a une élévation à ce sujet. D'accord? Je suis là. Le printemps, les choses qui refleurissent. Donc, ça a beau être de la guerre, ça va être quand même sympa. Vous allez avoir au mois de juin un choix à faire entre droite ou gauche, oui ou non. D'accord? On va vous laisser le choix sur une situation. Vous allez quelque part, en quelque sorte, baisser les armes. D'accord? Il y a une situation qui... Parce qu'avec la tranquillité et je baisse les armes, on peut me dire ici que... Le combat doit être mené, il va être mené, vous serez victorieux et ensuite vous allez vous reposer à la fin du mois de juin. D'accord? Donc on renverse les chauves-souris, donc on renverse ce qui nous prend la tête. Vous savez, les chauves-souris, elles s'accrochent à vos cheveux et puis voilà, les chauves-souris seront renversées. Ok? Donc, vous allez avoir quand même peut-être une espèce de combat intérieur au sujet de... Il y a quand même un combat qui est livré chez vous, là, au sujet de quelque chose qui vous enquiquine quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il se peut, et faites très attention, parce qu'avec cette carte de Mars, okay, le combat, le litige, mais aussi l'accident, il faut faire très attention à votre santé, s'il vous plaît. D'accord? Parce que... ça peut avoir un impact, ok? Et il y a quand même peut-être dans ce mois de juin une forme de combat dans intérieur. Moi, je vois ça. Quelque chose... Vous allez être successful. Vous allez être... comment ça s'appelle? Vous allez être victorieux. Mais... vous pouvez être en danger, d'accord? Alors, faites attention à vous, ne roulez pas trop vite, un accident est vite arrivé. Si vous prenez un traitement, prenez-le régulièrement, ne tergiversez pas, faites les choses comme vous devez les faire tout le temps. Vous serez victorieux sur une situation. Vous aurez un choix à faire entre oui ou non, la gauche, la droite, un homme, un autre homme, une femme, une autre femme. Un choix important. Et vous allez quand même obtenir une certaine tranquillité. Vous allez quand même baisser les armes à un moment donné de ce mois de juin. Alors faites attention à votre santé. Et au niveau du boulot, là, qu'est-ce que ça nous dit? Au niveau du travail...
Ben, c'est pas votre préoccupation. C'est pas une préoccupation première ici. Et si, de toute façon, si vous avez mis en place quelque chose, même au niveau du travail, je vois l'examen qui réussit et l'élévation. Donc au niveau du boulot, tout va bien a priori, d'accord? Et si vous n'avez pas de boulot, vous allez en trouver, d'accord? Parce qu'il y a une élévation, il y a le printemps. Donc ça va être un mois en deux teintes. On aura des succès flamboyants sur des choses et puis un besoin aussi de combattre quelque chose à l'intérieur de soi. Faire attention, être vigilant dans vos déplacements, parce que c'est aussi l'accident, Mars, hein, et aussi dans votre santé, dans votre état de santé entier, quoi, d'accord? Ça sera quelque chose que vous allez dépasser de toute façon grâce à la carte de l'examen. Donc ne vous faites pas trop de bile, mais faites quand même bien attention à vous. Et surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort les scorpions et je vous souhaite un très beau mois de juin.